Bonjour à toutes, ici Sky Galaxia. J'espère que vous êtes bien aujourd'hui. On se retrouve pour le 60e, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, le 60e épisode de Pokémon Ultra Soleil. Alors, la dernière fois, on avait réussi à la grande épreuve. Enfin, on savait même pas si c'était une grande épreuve, ce qui s'est passé. Et là, dans le fond, Lily a disparu. Il faut qu'on aille la retrouver. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Veux-tu retourner à mes... Non, non, non. Du coup, ah ben il faut qu'on trouve Lily. Du coup, juste mettre ça comme ça ici, et voilà. Alors on va retrouver Lily. Parce que bon, elle a été enlevée, hein, par la team Skull. Intrus détecté, mode extermination activé. Mais vous souvenez pas de moi, c'est Caroline. J'ai visité une fois. Et du coup, c'est ça. 60 épisodes, c'est long. Je suis plus lequel dans le 30e, peut-être que je vous ai vu. Je sais vraiment plus. Du coup, on a Triopiqueur. Qui est seul, je sais pas trop quoi. Pas seul électrique. J'aimerais ça le finir aujourd'hui, le jeu. En plus, j'ai pas internet, donc. C'est ça. Du coup, Bazookan. Pokémon de type vol. Ils sont obligés de cogner toujours. On va mettre ça à la porte. Coucou. Choisis tes leaders? Oui. Bah, je t'ai demandé tantôt. Tu m'as dit pas de problème. Oui, vas-y, continue, t'inquiète. Sauf que mon dos me fait toujours mal. Ah mince. Tu veux pas remettre de la bétanine tout à l'heure? Ouais. Du coup, excusez, on parle de moi, mais. Ça n'a pas d'importance, je me suis juste fait mal aux mains. Ah, tu t'es quand même bien brûlé. Hein. Ouais, je me suis brûlé, mais je pense que le monde ils en foutent un petit peu. D'accord. Juste prendre la Switch. Oh ouais, c'est comme tu veux. Et ça, c'est Ruru, qui est pas venu depuis 20 épisodes, et que le premier épisode, il a dit oui, je vais être là du premier au dernier. Et le dernier, je pense, c'est comme l'épisode 70, non, 80 quasiment. Et ouais. Du coup, ouais, on a battu. Le premier, sbire. Je sais pas si on peut appeler ça des sbires, vu que bon, c'est quand même. Bah, c'est une formation. Du coup, ouais. Oh, il y a un engin pour sauver les enfants. On peut pas embarquer dedans. Du coup, une fille. Alors, on m'a dit de chasser les tresseurs qui traînent dans le coin. Des ordres de toujours des ordres. Si tu veux avoir être ton propre boss, ben il faut que tu aies ton propre clan. Et pour avoir ton propre clan, ben il faut des sous. Hein? Fait que c'est soit que c'est ça, soit que tu subis les ordres, soit que tu essaies d'avoir des sous pour former une fondation toi aussi. Du coup, ça a vraiment pas rapport à ce que je dis, mais c'est pas. Ça met un peu de piquant dans les épisodes. Et du coup. Ouais, c'est ça. Il se transforme en petite plante. Petite normale, j'ai pris. Je comprends rien. Du coup, il n'y a plus la petite plante. Après ça, il est revenu au type normal. Alors, niveau 40, Floramantis. Est-ce qu'on veut apprendre Doux Parfum? Non, on n'apprend pas Doux Parfum. Ougarok monte au niveau 42, c'est bien. Un Mastouf. Un Mastouf, il est du type normal. Donc, je sais plus c'est quoi qui l'a faiblesse du type normal. Je pense que c'est pas Spectre, Ténèbres. Un bébé. Du coup, oui, ça c'était. Comment ça s'appelle? Putain, j'ai pas lu. Garoc, hein. On n'a pas le choix.
On a vraiment pas le choix. Un loup-garoc. Et ça, il est bon de main. Rate le poste, s'il te plaît. Ça marche. Il y a la trouille en plus. Je sais, ma chouille. Vois. Ma chouille, ça fonctionne plus. Je crois. Je crois qu'on est bien parti là. Alors là, je suis un peu plus, comment dire, un peu plus réveillée que tantôt, j'ai mangé. Donc, je suis quand même assez correct. Fais l'inferno 45, c'est bon ça. Eh, mais si tu es si forte que moi, tu veux que je te chasse d'ici. Ben, je veux pas justement que je retrouve Lily. Moi qui pensais que vous étiez une fondation sympa. Et on se retrouve, que finalement, vous avez des enfants. De 10 ans. C'est pas si sympa que ça, hein. Vous êtes de mèche avec la Steam Skull ou non? Moi, je pense que oui. Du coup. Je pensais que. Dans votre. Dans votre île, si je peux me permettre, et l'artificiel, qu'on pouvait pas utiliser les Pokéballs. Et là, paf, on peut faire des matchs Pokémon, on peut les activer. Je comprends pas. Du coup. Oh, j'en ai un qui est mort. Oh, Fleurmantis et mon Echo. D'accord. Je m'en rappelais plus. Du coup, Boubombe. Toi aussi, t'as pris Boubombe à ton Arbok. Il est trop stylé, Arbok. C'est vraiment le Pokémon emblématique de Jesse. Moi, qu'est-ce que je comprends pas, c'est comment ils ont évolué. Dans le fond, ils ont juste pleuré et les gouttes d'eau, en fond de larmes, ils ont pu faire évoluer des Pokémon. Je ne comprends pas. Quoique Pokémon, c'est toujours incompréhensible. Dans les mangas, il faut que pour que Boostiflore évolue en Ampliflore, il faut qu'il avale un humain. En tout cas, quoique dans les mangas sont vraiment plus, comment dire, c'est vraiment plus, je trouve, pas pour adultes, mais ils sont vraiment ça fait un peu peur, là, je trouve, les mangas de justement de Pokémon, hein, surtout les premiers, les derniers plus ou moins, mais dans le premier, bon, tu vas vraiment je pense que c'est un manga pour Red et un manga pour Sacha. Je crois. En tout cas. Du coup, ouais. Ok. Ah non, ma prime annuelle. T'as une prime, toi, quand tu combats des dressants? Putain, j'aimerais ça faire ta job. Paf. Ok. Pardon. Du coup, il faut qu'on fasse un rappel sur lui. C'est pas possible sur lui. Lui. Et potion. Ok. Du coup. Est-ce qu'il y a pas. Non, il n'y a pas de balle. Ici non plus. Ah. Super bonbon. Je me demande s'il faudrait pas que justement j'utilise super bonbon. Ou je devrais attendre. Pauvre petit Pokémon tombé entre les mains de misérables intrus. Je suis pas. Bah oui, je suis un intrus. Mais. Je veux dire, moi, je.
J'ai fait pour la bonne cause, je sais pas si ça se dit. Je viens récupérer Lily, qui est par rapport à Gladio. Mais si vous avez vu un enfant Pokémon Soleil et Lune, vous savez c'est quoi qu'il y a entre Lily et Gladio. En tout cas, leur ressemblance, si vous avez pas encore su c'était qui, Lily par rapport à Gladio. On va vous donner un indice, mais un peu plus tard. Ben, un indice, ils vont vous le dire carrément. C'est qui est Lily par rapport à Gladio. Alors, tantôt, on a vu que justement Gladio. Il a su que Lily, elle avait Cosmog. Donc. Qu'est-ce qu'il veut faire de Cosmog? On sait pas. Arbok. Un simulacre. Simulacre, il est du type roche et non du type plante. Pourquoi? Je sais pas. J'aurais bien vu un type plante. Mais c'est type roche parce que bon, un arbre, c'est une plante, un arbre. Ben, c'est pas une plante. C'est un type herbe. Non, pas un type herbe. En tout cas, vous voyez que c'est végétal. Et lui, il est carrément un passeur. Mais je comprends un peu que. Bon, tu sais, quand même, Pokémon, c'est quand même assez grand et tout. Et je comprends qu'il y a quand même un peu d'incompréhension. Mais quand tu vois des incompréhensions, comme. À un moment donné, il y avait. Pierre dans la première saison qui disait oui des top trios, oui des trios piqueurs, c'est un peu comment dire un peu con, ça je pourrais dire. C'est peut-être que l'autre personne elle savait pas, puis finalement il n'y avait pas de temps de reprendre des reprises, il fallait absolument qu'ils finissent de voir les doublages et tout. Mais aussi, quand ils ont appelé un Roku. Dans le fond, Roukoups, on dit Roukoups. Mais c'est Roku. Pour un coup. Avec Roku. Mais vu qu'ils ont mis un S, le monde se sent habitué à dire Roukoups. Et quand il a dit oui, regardez mon Roukoups dans le film 1 et que finalement c'était un Roucarnage. Je me demande si on. Oui, c'est le temps. Tout était beau bien pour une misérable en étruise. Ok, oui, je suis une intruse. Arrêtez de dire ça. Du coup, moi, bon, pourquoi que justement ça prend beaucoup de temps? Justement, parce que, bon, j'essaie de faire en sorte, comment dire, de combattre plus de Pokémon possible. Je me bats pour protéger les Pokémon qui habitent ce paradis. Non. Du coup. Fait que c'est pour ça, dans le fond, c'est que je veux que mes Pokémon évoluent. Et j'ai quand même Floramantis qui est niveau quand même assez faible par rapport aux autres. Bon, Colossinge, justement. Et j'ai quand même Felinferno qui est bon, qui est 45, qui est pas meilleur. Ça, j'aurais aimé ça qu'il soit quand même 10 au-dessus. Mais du coup, ouais, c'est pas grave. Putain! Ok. La défense, tu connais. C'est baissé. Du coup. On va essayer de voir éboulement. D'accord. Okay.
Claw combat. Putain. Quelle défaite, on peut arriver à rien. On peut arriver à rien sans force. Quoi? Du coup, sac. On va le rappeler lui. Rappeler lui. Ouf, je pense pas qu'il y en ait d'autres ici. Ah, peut-être. Spécial plus. Ouais. Je me battrai pour protéger le paradis d'Ita en garde. Pas ça, mais... Non. Ça c'est fait. Cool. Ce serait pas du genre à faire fuir les méchants toi? Ouais. En plein ça. Ça veut dire que vous êtes méchants. Ouais. Toxique. Du coup, ouais. Tu fais quoi? L'accès au sous-sol a l'air réservé, personne n'autorise. Je m'y attendais un peu, mais quand même. Pas le choix, allons à l'étage. S'il n'y a qu'un seul nom à retenir au sein de la fondation d'Ita, c'est celui du secrétaire de la branche d'Alola. Autrement dit, le mien. Sobon. Bref, pourquoi reviens-tu ici et ce sans invitation? Tu sais très bien ce qui m'amène, Sobon. Ha ha ha. Tu te sens bien, déjà bien informé, mais j'en ai encore aucun commentaire à faire. Tu me connais, mon cher Gladio. J'aime avoir mes petits secrets. Caroline, en combat Pokémon, tout le monde est sur ce pied d'égalité, que ce soit son âge. Ah, vraiment, je suis le pied du paradis de toi et tu veux que je m'abaisse à affronter des enfants? Après tout, pourquoi pas? Du coup, il va durer un peu plus que 20 minutes, celle-là aussi. Un hypnomade.
Putain, pas d'hypnose. Je sais jamais comment tu... Réveille. Psycho. Arrête avec ton hypnose, ça me débile. Sérieux? Comment je fais? Je pense que je sens parce que là... C'est une excuse. Oh, foutu de merde! Ça va me prendre genre une demi-heure à le battre. Eh oui. T'es fier hein, de combattre juste avec hypnose? J'appelle pas ça combattre, j'appelle ça c'est... La fuite quasiment. Ah, cette noce de merde! Il y en a combien d'hypnoses, hein? Putain. J'ai 45, puis lui, il y a juste ça. C'est moi qui devrais attaquer en premier. Cauchemar. Attaque pas hypnose. Ah, phew, ok. Au moins, t'as évité l'attaque. Allez, encore à toi. Pour appuyer. Voilà, entrave. D'accord. Allez, lance-flamme. Putain. C'est une orbe de merde. Je peux plus esquiver. Allez, réveille-toi. Et voilà. Malheureusement, j'ai perdu face à un simple enfant. Caroline était trop forte, serait réussi à battre Soban. Waouh! Soban, quelqu'un d'aussi futé que toi doit savoir exactement ce qui m'amène ici. Les épreuves de la vie ont fait de toi un jeune homme bien impunant. Vous êtes là pour Cosmo, je me trompe. Dans ce cas, vous ferez bien de jeter un œil au sous-sol. Mais je ne vous garantis rien. Au sous-sol? Mais oui, Madame Vicky m'en parlait. Elle disait que la secousse venait probablement d'en bas. Vous faites quoi dans le sous-sol, dites? Je sais pas. Je sais que. Je ne sais que ce que l'on veut bien me dire. J'ai entendu parler d'expériences pour se rendre dans l'autre monde. Shobon n'a pas le temps de taper la discute, on pourrait passer à la suite. Toujours aussi impatient à ce que je vois. Bien, je suis le docteur Maganim. Je vais donc vous aider. Caroline Tilly, on descend quand vous êtes prêts. Alors, c'est prête.
Oui. Allons-y. Rien n'a changé, c'est dire que ça fait déjà 2 ans. Waouh, on dirait une base secrète trop bien. Tu peux pas rester concentré 2 minutes? Enfin, c'est toujours mieux que d'être mort de trouille, je suppose. Bon, on fait quoi? Il y a 2 labos, je vais prendre le premier, le labo secret A. Occupez-vous du labo secret B. Et pourquoi c'est toi qui décides? Et puis d'abord, comment tu sais ça? Surveille tes arrières au lieu de poser des questions inutiles. Ce fourbe de Shroban a déjà dû les prévenir de notre arrivée. Ouh là là! Il n'a même pas répondu. En fait, il a la trouille, c'est ça? Claudio, il a la trouille. C'est important. Merci. Lily est en danger. Il faut qu'on se secoue le carapuce. Du coup, on va terminer ici pour l'enfant, ce premier. Cet épisode, j'espère que vous l'avez aimé, moi, plus ou moins. Mais bon, j'espère que ça va être un peu mieux les autres épisodes. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et puis on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Merci et bye bye. Des bisous. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne comme dit précédemment. Et si tu veux regarder l'épisode suivant, tu as juste à cliquer sur le milieu. Non, enfin, le petit bouton là. Tu vois là? Le petit bouton. Milieu. C'est marqué épisode suivant. Tu vois? Allez! Des pouces bleus. Bye bye. Des bisous.